Entre en un Seigneur, cet esprit en va.
brûlent. Que tu regardes les gens à gauche et à droite. Et tu te dis, est-ce qu'ils ont besoin d'agir aussi fortement? Est-ce qu'ils ont besoin de faire autant de bruit? Laisse-moi te dire que ça, c'est la volonté de l'Éternel. Alléluia. Écoutez, quand le Seigneur a rebâti Jérusalem, alors que Néhémie et les sacrificateurs se sont tenus devant le peuple, ils ont énoncé les lois de l'Éternel. Ils ont lu toutes les lois que l'Éternel leur avait demandé d'obéir. Mais ils avaient désobéi, eux et leurs parents. Mais vous savez, au chapitre 8, après avoir lu tout cela, la Bible dit que le peuple s'est mis à pleurer. Ils se sont mis à se lamenter. Ils se sont couchés par terre. Ils criaient, Seigneur, pardonne-nous. Mais Néhémie les a arrêtés. Il les a dit, arrêtez, levez-vous. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Comprenez que ce n'est pas un jour d'accusation, mais c'est un jour de rédemption. Comprenez que ce n'est pas un jour où le Seigneur dit que vous êtes mort, mais le Seigneur vous donne la vie. Il a dit la joie de l'Éternel fait notre corps. Alors si on peut louer l'Éternel, si on peut adorer. Ne va jamais un jour triste. Amen. Mais laisse-moi te dire que dans la présence de Dieu, tout est possible. Amen. Dieu peut-être te rentrer aujourd'hui avec tes problèmes, mais le Seigneur va te rencontrer avant la fin de ce service. Alléluia. 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 Quand je regarde la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est le même principe. La victoire s'obtient dans la louange. Tu sais, on peut prêcher la parole de Dieu, mais aussi longtemps que le peuple de Dieu ne se saisit pas de cela à travers la louange, il ne pourra pas avoir la victoire. Et nous sommes un peuple qui vont louer l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. De JPNL de 2017. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Ils nous allons souhaiter la bienvenue.